paraît que t'as des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. Enculé de ta race. I have come here to chew bubble gum gum. And I'm all out of bubble. J'ai l'impression d'être un unijambiste dans un concours de coups de pied au cul. Salut à tous, c'est Luc Lagadec et bienvenue dans Retour vers le Turfu, le podcast traversant différentes époques à la recherche du meilleur long métrage de tous les temps. Chaque mois, un film est tiré au hasard dans la liste qui est composée de suggestions de auditrices et auditeurs. Dans ce numéro 60, on va se concentrer sur la famille Adams de Barry Sonnenfeld, sorti en France le 3 avril 92. Et avec moi, on a rien à foutre. On s'en bat les couilles. Et avec moi aujourd'hui, une bande de salauds pour causer du film le plus pourri de la planète, Pezzo. Hello, hello. Vivien ? Oui. Yuna ? Salut. Manu ? Salut. Et Jean-Baptiste à la technique. Salut. La famille Adams sera-t-il mieux classée que Beetlejuice ou Paddington ? C'est ce qu'on va entendre tout de suite dans Retour vers le Turfu numéro 60. No one even looked at the corpse. Ah ! Miss ! Wednesday, play with your food. Is this made from real lemons? Yes. I'll buy a cup. If you buy a box of my delicious Girl Scout cookies. Are they made from real Girl Scouts? Dang, you're a handful. Done this before. This holiday season, they'll make you feel right at home. Et avant de commencer l'émission, information d'usage, si vous souhaitez soutenir ou aider notre podcast Retour vers le Turfu, nous vous demandons simplement de mettre des commentaires 5 étoiles avec un joli commentaire sur Apple Podcasts, iTunes ou Podcast Addict. En vous remerciant par avance. Donc, La Famille Adams, ce titre VO, The Adams Family, réalisé par Barry Sonnenfeld, dont il signe son premier film après avoir été le chef-op pour les premiers films des frères Coen. Il réalisera par la suite Les Men in Black et l'insupportable Wild Wild West avec notamment Will Smith qui fait du Will Smith et c'est un film horrible. Le scénario est écrit par Caroline Thompson, scénariste de Édouard aux mains d'argent, et Larry Wilson, scénariste de Beetlejuice, d'après les personnages créés par Charles Adams. Donc vous verrez qu'avec une petite notion Tim Burton, vous allez comprendre pourquoi. À la photographie, nous avons Owen Roisman, notamment chef-op de L'Exorciste et The French Connection de Willard Friedkin. Au casting, nous avions Angelica Houston, Raoul Julia, Christopher Lloyd, Elizabeth Wilson et Christina Ricci. Et à la musique, nous avions Mark Shaiman, épaulé par Vic Mizzi pour le thème et MC Hammer pour le générique de fin d'une qualité plutôt variable. Je vais vous la faire écouter, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je pense très sincèrement qu'on tient la pire musique de film. C'est comme Paddington, ça n'a rien à voir avec, avec le film. Et franchement, c'est chaud. Hein. Je vous le ramène parce qu'elle est quand même épique celle-là. Now is the time to get it in your mind. It's okay to be yourself. Take foolish pride and put it aside like the Adams. Yo, they did. That's a family. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they celebrate. Adams family. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they celebrate. Adams family. Voilà, c'était MC Hammer avec le titre Adam's Groove. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était quand même une musique assez pétée. JB, que raconte La Famille Adams ? Eh bien, La Famille Adams, c'est une famille un peu spéciale, animée par l'horreur, la douleur. Cette famille se complaît dans tout ce qui est mauvais. Gomez et Morticia, les parents, Mercredi et Pugsley, les enfants, et leur animal de compagnie, La Chose, habitent un grand manoir et possèdent une fortune faisant des envieux. Et c'est Tully Holford, l'avocat des Adams, et Abigail Craven, une femme se faisant passer pour un médecin allemand, le docteur Greta Pinderschloss, qui décident tous les deux de mettre la main sur le trésor de la famille. Pour arriver à leur fin, ils vont donc envoyer Gordon, le fils adoptif d'Abigail, s'intégrer à la famille en se faisant passer pour l'oncle fétide, le grand frère de Gomez, disparu depuis une vingtaine d'années, afin de découvrir le moyen d'accéder à la crypte contenant la fortune si convoitée.
Cependant, Gordon va au fil du temps s'attacher aux membres de la famille Adams, et lorsqu'Alford découvre que Fétide est l'unique héritier de la famille, il s'arrange pour faire expulser tous les membres de la famille. Alford et Craven vont alors continuer à chercher le trésor en vain jusqu'à ce qu'ils fassent prisonnier Morticia, qui était venue voir Fétide. La chose ayant suivi Morticia part alors avertir Gomez, et celui-ci va alors venir au secours de sa femme. Un combat épique va alors se dérouler et Gordon va se rendre compte que sa véritable famille n'est pas celle qu'il connaissait jusqu'alors. Alors pour une famille qu'il ne connaissait pas jusqu'alors ou juste alors, le film a coûté 30 millions de dollars, soit le même budget que Superchondriaque de Danny Moon. Voilà, faut savoir un petit peu quand même où mettre les pieds. Et le film a été un putain de carton puisqu'il a remporté 191 millions de dollars, soit 6 fois son budget. Ce qui a entamé après, on le verra par la suite, des tonnes de produits dérivés. They're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. Their house is a museum, when people come to see them, they really are a scream, the Addams Family. Alors, avant de commencer de parler du film, d'abord, il faudrait savoir ce que c'est la famille Adams. Et Yuna, d'où vient cette famille un peu particulière? Donc, effectivement, la famille Adams ne date de bien avant 1991. Donc, c'est tout droit issu de l'imagination de Monsieur Charles Adams, avec un ED. Mais quel était son métier à ce Monsieur Adams? Croque-mort. Ouais, croque-mort, c'est ce que j'allais dire. Voilà, non, non, pas du tout. Il est dessinateur, c'était une BD dans un magazine ou un journal. C'est ça. C'est ça. En fait, okay. C'était des cartoons publiés dans le New Yorker en 1938. Okay. Donc, qui représentait une famille aristocrate avec les, on va dire, les valeurs morales, esthétiques, etc. De ce qui est le beau, le pas beau, qui est, voilà, qui est un rapport complètement inversé. Donc, avec les personnages que l'on connaît aujourd'hui. À l'étape suivante, qui est la série télé de 1964. C'est diffusé pour ABC dans un souci de concurrence avec une autre série qui se positionnait sur le même créneau de public, on va dire, dans représentation d'une famille horrifique. Pareil, public plutôt jeunesse familiale. Donc la sitcom s'appelait Les Monstres sur CBS. Donc avec des personnages directement inspirés, il y a le fils qui était loup-garou, le père c'était l'archétype de Frankenstein. Les monstres de la Hammer quoi en fait quoi. Voilà, c'est vraiment les archétypes de la littérature en fait. Ouais. Frankenstein, la goule, le vampire, etc. Donc on entend pour la première fois la musique. On vient d'entendre justement. Voilà, donc le thème composé par Vic Mizzi. En 1973, série d'animation, une première. En 16 épisodes, qui est produit par Hanna-Barbera. C'est quoi Hanna-Barbera? Un studio de prod d'animation. Oui, c'était une production avec. Comment ça s'appelle? Les Fous du Volant, par exemple? La famille Pierre à Feu. Les Pierre à Feu. Dans le fun fact, parmi les voix originales de ce dessin animé de 73, on retrouve un nom qui est bien connu aujourd'hui. Jean-Louis Trintignant. Non, une actrice américaine. Nathalie Portman. En 1973. Non. Alors. Non, c'est pas Nathalie Portman. T'as tiré trop vite. 1973, une actrice maintenant qui a été connue après. Qui a été connue après, plutôt dans les années 80-90. Catherine Deneuve. Jane Fonda, non? Non. Alors, elle a fait d'autres doublages. Elle a fait notamment celui de Maggie Simpson. Alors, je suis pas sûr que ça va vous aider énormément. Oula. Donc, j'ai appris qu'elle a eu une petite carrière dans le doublage petite avant. C'est pas Jodie Foster? Exact. Ah, c'est Jodie Foster. Ouais, Jodie Foster. Donc j'ai appris par cette même occasion qu'elle a été une des doubleuses de Maggie Simpson dans la série Les Simpsons. De Maggie. D'accord. Ouais, au début de la série quoi. Ouais, au début ouais. Alors si je dis pas de bêtises, c'était pour Pugsley. Ok. Ok. Doublage de voix d'enfant comme c'est souvent le cas, les garçons vont être doublés par des filles, ouais. Des jeunes femmes. Et cette série animée avait été introduite également par la technique du backdoor pilot. C'est-à-dire un épisode de série qui introduit une autre série. Alors, dans quel autre dessin animé d'Hanna-Barbera la famille Adams a été introduite? Scooby-Doo. Ah, Scooby-Doo. Ah, bah, ouais, ça se tient. Ouais, c'est la même esthétique. En 1972, donc, il y avait, alors je sais même pas si ça est arrivé jusqu'en France, un dessin animé qui s'appelait Les Grandes Rencontres de Scooby-Doo.
Donc finalement, voilà, c'est Scooby-Doo dans toujours dans ses enquêtes un peu surnaturelles. Donc il était aidé de personnages qui apparaissaient en guest. Donc on avait ainsi les trois Stooges, on avait Batman et Robin. Et il y a eu un épisode. Oui, tu as l'air étonné, Vivien, mais c'est vrai. Et il y a eu un épisode effectivement avec la famille Adams où voilà toute la trique tournait autour de Mercredi qui avait disparu et il fallait la retrouver. Dans le genre crossover de Scooby-Doo, il y a eu un crossover avec Supernatural il y a un ou deux. Sérieux? Ah ouais. ils sont transportés dans l'univers de Scooby-Doo. C'est un épisode animé du coup. Mais non. C'est un délire. J'ai envie de regarder Supernatural, ça y est. En par contre, j'ai décidé de vous épargner le téléfilm. Alors suite à la série de 64, il y a eu un téléfilm dont je n'ai même pas pris la peine de noter le nom, qui était une sorte de crossover Halloween en fait. Mais plus globalement, donc selon Robert Mankoff, qui est un cartooniste, ayant côtoyé Charles Adams dans le New Yorker, donc il estimait que l'influence de la famille Adams a été forte quand même dans la pop culture, littérature, film, tout confondu. Donc avec le mélange... humour, horreur, comme on peut le retrouver dans Freddy. Ouais, bien sûr. On parlera peut-être après de Tim Burton, Beetlejuice, il y a un peu cet univers qui... Tout ce qui touche un peu au macabre, voilà. Mais gothique, un petit peu, esthétique-là. Ouais. Ça, en tout cas, ça a donné une porte d'entrée, en fait, sur ce créneau-là. On peut aussi extrapoler sur la représentation de la famille, un peu dysfonctionnelle, qui est représentée dans les séries d'animation, les Simpsons, entre autres. Et sans compter l'influence de la mode, dans la mode et le gothique, qu'a pu apporter le Morticia style. Et dernière question, donc quel dessinateur a été influencé de son affirmation par la famille Adams? Donc si tu nous le dis, c'est que c'est un dessinateur quand même qui a du poids et qui a fait des trucs, oui. Des trucs bien connus. Est-ce que c'est un américain, c'est un français, on sait? Américain. Non, dessinateur, plutôt comics, BD? Comics, BD, Disney. Don Bluth? Non. Ah. Don Bluth, c'est Fievel. C'est ça, exactement. Ouais. Don Rosa? Non. Putain, on va les faire. Hein. On va les faire. Don Rosa, c'est celui qui a fait les Picsou, c'est ça? La jeunesse de Picsou, ouais. Ouais, qui est, mais vous rapprochez dangereusement parce que Don Rosa est lié quand même avec un autre dessinateur. Essayez de retrouver le personnage un peu gothique qui aurait pu être inspiré. Picsou. Picsou, c'est un putain de gothique, lui. Ça, j'ai toujours su. C'est un goth. Ça se trouve, tu sais, elle va le dire, on va être là. Mais oui! Non, je pense pas. Donc, si je vous dis Karl Barks. Ah putain, mais oui. Parti communiste. Mais bien sûr. C'est ce que le j'avais pensé. Tout ça. Ah, Karl Barks, c'est le créateur de Picsou. Et de Mystique. Ouais, Mystique okay. Était. La sorcière toute de noir vêtue, cheveux blonds, cheveux longs noirs, qui cherche à voler la fortune. Mais en tout cas, ouais, c'est bien le savoir parce que c'est vrai que j'en parlais au début. Il y a quand même une grande partie de Tim Burton. Le film à la base devait être réalisé par Tim Burton avant que ce soit délégué à Barry Sonnenfeld. C'est vrai que là, on retrouve un petit peu le serpent qui se prend la queue parce que c'est vrai que Tim Burton, il a popularisé en fait le style gothique au cinéma avec Beetlejuice et Edouard en main d'argent. Et c'est vrai que là, ça revient et c'est grâce aux familles Adams. C'est là la famille Adams maintenant réadaptée avec les codes actuels. Enfin les codes actuels des années 90 et c'est vrai que c'est assez intéressant notamment du fait que les scénaristes sont des scénaristes attitrés normalement de Tim Burton. C'est vrai qu'on sait pas trop qui de l'œuf ou de la poule a inspiré l'autre. C'est qu'en fait il y a eu un moment où le contexte était favorable, il y avait un créneau à prendre sur ce type de film en fait. Manu, le film, toi c'est un film de jeunesse pour toi? Oui, tout à fait, ouais. C'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu plein de fois quand j'étais gamin. Là, je l'avais pas revu depuis longtemps, hein. Je pense que je l'avais pas vu depuis... Alors, je suis vieux, donc je dirais une vingtaine d'années, facilement. Désolé, mais c'est un film que j'apprécie beaucoup. Que tu parlais justement de Beetlejuice, que je mets à côté de Beetlejuice, dans ce que les souvenirs que ça me rappelle de jeunesse, ou les Gremlins, par exemple. Ouais, dans ce côté entre film d'enfant et film un petit peu décalé, un peu plus trash potentiellement, même si c'est pas. Si, je pense qu'en tant que gamin, on peut considérer que c'est un peu trash, la famille Adams. Et moi, j'en avais un bon souvenir et j'ai repris beaucoup de plaisir. Je l'ai regardé hier. Et pour moi, ça marche toujours, quoi. Ça marche toujours parce que je connais le scénario de base, je connais le côté absurde, le surjeu. Et franchement, l'ambiance fonctionne toujours. Moi, c'est un film que j'apprécie encore. Un film encore, malgré les années, ça marche encore pour toi, quoi. Tout à fait. Ok. Yuna, de ton côté, c'est un film que tu as aussi découvert durant ton enfance? Oui, alors moi je connais un peu plus le deuxième volet, les valeurs de la famille Adams. De la famille Adams, c'est génial pour le coup. Lui. J'ai un peu plus d'affection pour celui-là que pour celui de 91,
Mais oui, effectivement, j'ai un petit attachement aussi par rapport au film, par rapport à la famille. Et aussi par rapport aux acteurs Gomez, dont j'ai complètement oublié le nom, et Christopher Lloyd, qui sont tous, Rob Julia. Qui sont tous les deux dans le surjeu. Mais quand je le revois, j'ai toujours l'impression qu'ils ont pris leur pied. Surjeu théâtral, oui. Mais ils sont extrêmement bons les deux. Raul Julia, c'est celui qui porte le film. Alors après, Raul Julia, je le connaissais aussi dans un autre film, d'un autre registre, qui est Street Fighter. Ouais, malheureusement. Pour moi, c'est le seul acteur qui sauve ce film. Parce que pareil. Qui est son dernier film avant qu'il meure du cancer du pancréas, un truc comme ça, je crois. Mm. Je sais plus. Ah, c'est sympa. Mais alors, dans un registre différent, il est complètement dans le surjeu, mais je trouve qu'il le fait tellement bien. Ouais, bah en fait, il est à fond dans le. Quand il joue le rôle de Bison dans Street Fighter, c'est pareil. Il est dans une optique où j'appelle ça le Obi-Wan Kenobi syndrome. C'est-à-dire que, en fait, quand tu es seul à croire à ton projet, tu en fais des caisses, quoi. Et Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor, c'est ça, hein, dans Star Wars 3, c'est le seul qui est à fond dans le truc. Bah là, c'est pareil pour Raul Julia sur Street Fighter, c'est le mec, il y croit au truc, on l'a engagé, il fait le taf, il va le faire même, hein, il va rajouter quelque chose en plus. Par exemple, à contrario de Jean-Claude Van Damme, qui est là juste pour montrer ses muscles, et qui est un peu dommage, quoi. Sans taper les gens en plus, quoi. Mais bref, finis avec Street Fighter. J'aime beaucoup aussi, Angelica Houston ou Christina Ricci dans le film, je trouve que fonctionne bien. Angelica Houston, pas trop. Moi, je trouve qu'elle est, elle joue tout le temps le même constant, c'est-à-dire que ça va être, je suis une femme chelou et j'aime faire mal aux gens et je trouve du plaisir à faire mal aux gens, mais il y a pas de situation. Il y a quelques situations comiques qui fonctionnent. Je reviendrai après plus tard sur son personnage, mais en soi, moi, je trouve que son jeu est plutôt en retrait. Pareil pour Christina Ricci, faire la fille, macabre qui aime que la mort ou les trucs, les tortures pour jouer avec son frère. Voilà, c'est marrant 5 minutes, mais au bout d'une heure 30 de long métrage, au bout d'un moment, fait chier, quoi. Bah après, c'est, pour son âge, je trouve que c'est quand même bien joué. Bah après, c'est vrai qu'en termes d'enfant qui joue dans un film, elle tient le bon bout. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, insupportable comme pas mal d'enfants que tu peux avoir dans certains films où tu te dis, mais putain, mais lui, j'ai envie de le frapper. Il y a le cas dans le film, j'en ai pas trop parlé, mais dans Paddington, l'enfant qui joue le garçon, il est useless, il joue mal et il sert à rien. Mais bon, en fait, vu que c'est un peu mis en retrait, tu le vois pas trop. Mais c'est vrai qu'effectivement, Christina Ricci a quand même un certain charisme qui fait de son physique, hein, de ses yeux, de ses expressions, qui fait que c'est assez réussi aussi et son jeu en retenue. Mais pour moi, c'est un peu, voilà, c'est un petit peu, ça rajoute un petit plus, mais c'est pas forcément un grand point que je mettrais en avant sur le film, du moins si on devait le défendre, quoi. Pezzo, de ton côté, La Famille Addams, toi? J'adorais La Famille Addams quand j'étais jeune. Et là, franchement, je me suis fait chier, mais comme pas possible devant, franchement, grosse douche froide, quoi. Retour sur la terre ferme, j'étais content de le voir sans non plus être comme un ouf. Je disais, ça va être bien, je passe un bon moment, voilà, sans que ce soit un grand film, ça va être très divertissant et tout ça. Et en vrai, enfin, le film, il y a pas de profondeur, enfin, c'est le film, il se résume à, regardez, c'est rigolo, c'est une famille de gothiques, ils vivent bizarrement, quoi. C'est genre, c'est une blague qu'ils étirent sur 2 heures, et autant je pense qu'en série ça marcherait mieux, ouais. Autant sur les valeurs de La Famille Addams, je l'ai pas revu depuis longtemps, mais je te crois que tu dis qu'il est mieux, parce que je crois que je l'ai vu il y a longtemps, mais j'avais adoré. Ouais, ici ça marche pas. Enfin, ça devient lourd, quoi, à la fin, quoi. Mmh. C'est marrant les 20 premières minutes, puis à la fin ça fait plus rire et c'est long et chiant, quoi. Donc voilà. Je vais revenir un peu après avec Manu, mais moi,
ce que je défends un petit peu dans le film, c'est le côté effectivement ils ont gardé le fait que bah effectivement ce soit une famille aux antipodes en fait de la société actuelle. Ils l'ont modernisé, ils ont mis en fait vraiment la famille de Gott dans une ville où ils sont tous à moitié dans le modèle politique de la famille Bush, avec un petit côté Reagan en fait, vraiment la famille de droite en fait. Tous les habitants de la ville sont des mecs très rangés sur eux. Despite his wife. Voilà un petit peu ce côté-là. Et effectivement, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire au travers du scénario déjà où il y a une personne, enfin il y a une personne extérieure qui s'intègre dans la famille et qui va essayer de, qui va découvrir la vie en communauté avec eux. Mais il y a quand même une espèce de presque de critique de la société actuelle au travers de l'utilisation de la famille Adams. On le voit sur une scène, moi, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup apprécié, c'est la scène où ils vont arriver à l'école de Mercredi et Pugsley. Ils font un espèce de théâtre, je crois. Enfin, c'est ouais, une espèce oui, c'est de spectacle. Ouais, les rigolotes où ils décèdent. Mais avant, sur voilà, scène, avant les spectacles, en fait, on voit que les parents se rencontrent, les enfants, tout ça. Donc, et la prof fait, les exposés des enfants. Et tu vois qu'il y a un qui a fait, il a fait un portrait sur George Bush, père. Et l'autre a fait, la fille a fait un exposé sur une split screen, de Fox News, une connerie dans le genre, en se disant... Split screen. C'était des exposés à faire du genre qu'est-ce que je veux faire quand je vais être plus grand, en fait. Et derrière, en fait, t'as Mercredi qui a fait un exposé sur une sorcière bien hardcore, un peu contestataire de l'époque, qui s'est fait brûler parce qu'elle dansait à poil dans son village. C'est ça qu'elle raconte la mère à la prof. Et c'est ça qui m'a fait rire, c'est qu'en fait, vu que les enfants sont en soi, ils ont des idoles qui sont complètement... c'est l'enfer, hein, l'enfer de s'identifier à George Bush père parce que valeur familiale à fond, et c'est l'enfer pour une fille de s'identifier à une nana random de la télé parce qu'elle passe à la télé. Et ça m'a fait marrer, tu sais, qu'ils font un petit peu en gros elle s'identifie à une sorcière, mais ça vaut pas plus que vos merdes là que vous êtes en train de vous identifier. Et c'est ça que j'avais beaucoup apprécié dans le film, ce côté critique en fait. Il y a une réplique de Morticia d'ailleurs à propos de la deuxième, de vous en avez parlé ses parents, genre ah oui, voilà. C'est pas normal, quoi. C'est pas normal, ouais, voilà, c'est ça. Mais en plus, c'est ça qui marche très bien. Moi, j'avais beaucoup apprécié cette vanne. Et puis, effectivement, derrière, tu vois le spectacle des enfants, donc c'est très, bon, tu vois les espèces de pièces que tu peux avoir quand tu regardes un spectacle d'enfants, c'est le truc de Robin des Bois, l'école des fans compatible. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Et derrière, t'as Mercredi et Pugsley qui font en fait un truc de torture, et à la fin, elle coupe la tête à son frère et t'as plein de sang partout, et t'as le spectacle, enfin les spectateurs qui se font asperger, et t'as les parents qui sont derrière, t'as les deux parents. Ils sont bien aspergés d'ailleurs. Et ils sont contents, ils sont putain, c'est génial, hein, c'est super cool. Alors qu'avant, ils se faisaient trop chier. Avant qu'ils se faisaient trop chier. Et tous les autres parents qui sont droitards un petit peu droit dans leurs bottes, qui sont nous c'est la famille parfaite, c'est tradit, c'est pas vraiment que de la droite, c'est surtout aussi un peu catho, tu vois, enfin un peu c'est le côté tradit religieux, tu vois. C'est le côté, en fait, c'est aussi une critique de l'époque dans les années 80 avec Reagan et tout ça, où c'était très la famille avant tout, la valeur familiale au-delà de tout, quoi. Alors après, ils gardent quand même, au sein du noyau Adams, ils gardent quand même une solidarité et des valeurs... Au sein de la famille. Oui, voilà. Ouais, mais qui fonctionnent parce que c'est eux. Il y a quand même l'amour entre les parents et les enfants, le mari et la femme. Mais qui est témoigné de différentes manières, en fait, d'une manière un peu plus où tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Mais c'est aussi cette critique-là qui fonctionne très bien, moi, je trouve, ce côté-là. Petite anecdote sur l'avant-spectacle, je me suis rendu compte que le gamin qui est déguisé en elfe, ça qui se fait tirer la joue par sa mère ou un prof, je sais plus. Ouais. C'est celui qui joue le gamin qui se fait traumatiser par Alan Grant au début de Jurassic Park quand il parle de grosses dindes. Ah oui, c'est vrai, exact. Ah. Ouais, je l'avais pas reconnu. Je me disais bien que je l'avais vu quelque part, celui-là. Mais voilà, pour moi, c'est ces moments où c'est les seuls moments qui fonctionnent, et malheureusement, c'est juste 5 minutes de film sur 1h30 de long métrage. Après, pour moi, en fait, et ça tombe bien qu'on tombe sur Paddington à côté, c'est que, en fait, le problème du film, c'est que c'est des enchaînements de blagues continuelles, constantes, sans setup. Je te reprends, c'est pas des enchaînements de blagues, c'est des enchaînements d'une seule et même blague qui répète plein de fois, je trouve. Non, mais il y a plein de blagues, soit visuelles ou des trucs comme ça, mais il y a pas de setup, il y a pas de... La blague n'est pas préparée, si tu veux, il y a pas de... C'est juste des blagues disant « Ah, Ouloulou, c'est choquant, t'as vu ce qu'ils font ?» C'est trop bien. « Ah, il y a Mercredi qui frappe son frère ou qui fait une guillotine. » c'est chiant, et c'est comme ça constamment, tout le temps
tout le temps. Et franchement, au bout d'un moment, moi, je pense que vous l'avez regardé en étant chafouin. Vous n'étiez pas ouvert d'esprit. On n'était pas ouvert d'esprit, ok. Parce que moi, ce qui me saoule dans ce film, c'est que t'as du monde de talent qui est derrière, hein, qui sont chefs de projet, qui sont super bons, hein, je veux dire, le chef-op, le scénariste. Les décors sont formidables, hein, la lumière est cool. Je vais pas cracher sur les effets spéciaux qui ont vieilli, parce que c'est normal. C'est tout à même fait... les maquillages, ils sont bien. Les maquillages sont bien. La chose, elle est bien modélisée. C'est pour l'époque, c'était quand même pas mal. Enfin, c'était vraiment cool. Mais tout le reste, je trouve que, en fait, pour les personnes qui sont impliquées, le résultat, il est vraiment à chier. Et je pense pas que ce soit vraiment la faute non plus de Barry Sonnenfeld, qui était son premier film. Je pense pas que ce soit les stigmates du premier film. Mais il y a quelque chose qui manque, et je pense très sincèrement, c'est la construction, la mise en scène. Je le vois, hein, c'est des zooms des fois qui sont, enfin, des zooms paracord, des trucs où tu te dis putain, c'est pas bien fini. Et voilà, enfin, moi, le film a été décevant parce que ça a été découverte. J'avais vu le deuxième, La Valeur Famille Adams, ce que je le disais, que j'avais beaucoup apprécié. Celui-là, il m'a fait chier. C'était exaspérant à force. C'était vraiment fatigant, comme film. Voilà. Après, Manu, est-ce que, ou quelqu'un d'autre voulait réagir par rapport à ce que j'ai dit? Parce que sinon, je vais continuer à boxer le film pendant encore une demi-heure et ça va être long et chiant. Mais allez-y, hein, si vous avez un truc à dire. Moi, je trouve ça un peu dur de considérer que c'est la même blague répétée, parce qu'en fait, c'est sûr que c'est une situation. Enfin, c'est le concept des valeurs inversées, en gros. C'est une situation, oui. Qui a un point de départ, et du coup, derrière, c'est décliné sur pas mal d'angles. Mais néanmoins, pour moi, c'est pas tout le temps la même blague, et je trouve que ça marche plutôt bien. Enfin, même si forcément, tu peux t'y attendre. Alors, j'ai probablement mon un biais du fait que c'est un film que je connais depuis que je suis gamin et qu'à l'époque je jugeais pas pareil, donc forcément je suis totalement d'accord que si je l'avais découvert pour la première fois hier, peut-être que j'aurais le même avec vous, hein. Moi aussi j'adorais ce film étant gamin, et puis là ça a pas remarché, quoi. Genre, je l'avais pas vu depuis longtemps et ça, non, pas spécialement. Moi, je trouve que l'alchimie fonctionne bien. J'aime beaucoup l'alchimie du couple Gomez-Morticia. Ça, oui, ça c'est clair. J'aime beaucoup Mercredi, et même s'il y a des trucs que je trouve un petit peu, enfin, la mère adoptive de Fétide, du coup, personnage insupportable. Mais en fait, je pense que le principal problème du film par rapport au deuxième, si vous préférez le deuxième, c'est probablement qu'on est plus en huis clos. En fait, dans le premier, on est en environnement assez clos, et du coup, il y a moins d'interaction avec le monde extérieur. Là, ouais, je peux comprendre, mais je trouve qu'il y a vraiment une ambiance et un truc qui fonctionne bien. Il y a un côté totalement extravagant, et c'est fait exprès. Le personnage de Gomez, vous en avez parlé tout à l'heure, mais l'acteur est assez incroyable dans son côté toujours plus loin, toujours plus fort, quoi. Ouais. Et je trouve que ça marche bien, ça s'intègre bien dans une intrigue qui, au final, est quand même... Elle tient sur pas grand chose, et c'est quand même poussé jusqu'au bout à tout moment, quoi. J'aime bien aussi le délire avec le voisin aussi, juge, c'est vrai. Qui l'emmerde depuis 1000 ans avec ses putains de balles de golf, et au final il se retrouve au tribunal et il lui rajette ses balles de golf à la gueule. Le côté running gag, ouais, avec le voisin, le voisin qui est le pire, enfin qui est c'est Ronald Reagan en face, quoi, en gros, quoi. C'est drôle, ça aussi, mais je sais pas. Cousin machin, c'est mortel quand même. Je suis désolé. Le l'avocat ou celui qui est avec non, cousin machin, c'est le petit qui parle. On comprend pas ce qu'il dit et qui a des cheveux, quoi. Et qui drague cousin justement la meuf. Qui drague la femme de son avocat. Ouais. Et c'est aussi une vanne que j'aime bien. C'est le côté effectivement. Tu vois, c'est la femme qui est bloquée dans un mariage qui l'emmerde profondément. Et elle découvre un petit peu un côté, un côté rebelle, tu vois, par rapport à son mariage. Et elle trouve un amant, en fait, avec un truc qui ressemble à rien, quoi. C'est ça qui est extrêmement drôle, quoi. Mais il est quand même stylé. Hein. Moi, j'aime bien sa petite voiture et tout. Ça, c'est les gags, ouais. C'est un gag visuel qui fonctionne bien, tu vois. Mais je suis méchant avec le film. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui fonctionnent. Mais enfin, pour moi, ça a été exaspérant de bout en bout. Et on va passer au Saviez-tu, où ça va être Manu qui va nous parler de la famille Adams dans le côté global avec les produits dérivés. Bonjour. C'est moi, Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Le saviez-tu?
trop de la merde, mon gars. Alors sachez-le, ça a été compliqué de faire une recherche sur Famille Adams produits dérivés, parce qu'il y a que des sites qui te vendent des produits dérivés d'aujourd'hui. C'est assez compliqué de se faire un historique. Oui, parce que si tu dois te couper, il y a un film qui est sorti l'année dernière, il y a deux ans, je crois. En animation, 2019, ouais. Je crois, ouais, en effet. Ouais. Avec, je sais plus, c'est peut-être Oscar Isaac qui joue Gomez et ouais. Charlize Theron qui joue Morticia, un truc comme ça, je sais pas. C'est bien ou pas? Je l'ai pas vu, non. Je l'ai pas vu encore. Aucune idée. Je ne saurais juger, je me souviens plus de ce que les gens ont pensé à l'époque, donc. Mais, voilà, donc c'est un peu compliqué et au final, j'étais assez surpris de pas trouver des masses de, je m'attendais à des produits dérivés, genre pas mal de jouets ou de trucs comme ça, et c'était pas le cas. Donc comme tu le disais tout à l'heure, il y a une suite au film qui s'appelle Les Valeurs de la Famille Adams, qui est sorti deux ans après, en 93, et qui est toujours réalisé par Barry Sonnenfeld. Ça se passe en gros, ça se passe un peu après, les Adams sont un nouvel enfant, un bébé que les deux premiers essayent de tuer pendant tout le film parce que ça leur convient pas, et ils sont en camp de vacances, et pendant ce temps-là il y a leur nouvelle babysitter qui est engagée pour les surveiller pour éviter qu'ils tuent le bébé, qui essaye de draguer Fétid et de le tuer pour hériter de sa fortune. En gros, voilà, c'est globalement le film. Et il y a plein de scènes assez cool au camp de vacances parce que bah, sur le même principe de les gamins font n'importe quoi et du coup il y a une scène de bûcher, des choses comme ça qui sont pas forcément très kid-friendly. Et entre les deux, le succès du premier film avait lancé... avait poussé Anna Barbera à lancer la production d'une série animée qui a tenu deux saisons mais sur une seule année et 21 épisodes, qui elle aussi a donné lieu à quelques produits dérivés. Donc au niveau produits dérivés, le premier est complètement tiré du premier film et il s'agit d'un flipper. pas n'importe lequel, puisqu'il a été pendant longtemps, et je crois même en fait que, mais j'ai pas trouvé les chiffres, mes derniers chiffres datent de 2008 ou un truc comme ça, mais je pense que il reste encore aujourd'hui le flipper le plus vendu de l'histoire, avec plus de 20 000 unités de ce flipper. Sérieux? Il est tout à fait. C'est incroyable. Ouais. Et en fait, il est hyper bien considéré parce que c'est un flipper qui était plutôt high-tech, qui comprenait des parties mécaniques qui venaient, enfin tous les flippers comprennent des parties mécaniques, mais des éléments qui bougent, par exemple la main, il y a la chose. La main du coup qui vient, qui bouge et qui récupère les balles, des choses comme ça. Il y a des dialogues qui ont été tournés par les acteurs du film spécialement pour le flipper. Il y a pas mal de modes de jeu différents et il a inspiré pas mal les flippers qui sont venus par la suite, en fait, qui sont inspirés de sa façon de fonctionner parce qu'il est considéré globalement comme un flipper parfait où tout s'imbrique bien, tout est assez logique dans les enchaînements, enfin les enchaînements dans le décor, on va dire, avec la balle, des choses comme ça. Donc voilà, un gros Jimmy produit dérivé. Le Jimi Hendrix du flipper, quoi. C'est ça, c'est le Hendrix du flipper. Donc potentiellement toujours le flipper le plus vendu au monde. Ok, putain. Sinon, on était dans les années 90, il y a eu des jeux vidéo. Il y a eu le premier qui est directement aussi inspiré du scénario du film, qui est sorti sur NES et Sega Genesis. Super NES et Sega Genesis. Donc s'inspire du scénario. En gros, Tully, qui est leur avocat, a piégé, emprisonné les membres de la famille, sauf Gomez. Et on commence à l'extérieur du manoir, on doit rentrer dans le manoir, se balader dedans et les libérer en affrontant des boss. Donc assez classique, mais en se basant sur le scénario. Sur les systèmes Nintendo, donc Game Boy, NES, Super NES, on a Pugsley's Scavenger Hunt, qui est sorti en 93, qui est plutôt basé, lui, sur la série animée. J'ai pas réussi à trouver le synopsis officiel, mais de ce que j'en ai vu, en fait, c'est un jeu de plateforme assez classique à travers le manoir avec Pugsley. Vu le nom, j'imagine que ça joue sur les différents trésors un peu chelous qu'il y a dans le manoir, quoi. Pour finir sur les jeux vidéo, il y a, vous vous souvenez de ces, je sais pas si ça existe encore d'ailleurs, mais les espèces de consoles one shot, les petits trucs avec écran LCD où il y a juste un jeu dessus et puis il y a quatre boutons pour jouer. Merde, comment ça s'appelait? Game & Watch? Ouais, un truc comme ça, ouais. Ah, c'est revenu, c'est revenu à la mode, ça. Ouais, ils ont ressorti. Quel gâchis de ressources naturelles. Mais il y en a un qui est tiré du film, qui a été développé par Tiger Electronics, dans lequel on joue l'oncle Fétide. Alors, j'ai regardé une vidéo d'un mec qui joue au jeu. J'ai pas compris ce que je regardais. Et je comprends pas comment on pouvait produire et comment on pouvait vendre et acheter ça. Valider ça, surtout, peut-être aussi, la production. Ouais, quoi. Non, ouais. Mais je pense qu'il y avait vraiment une facilité à vendre de ce genre de merde dans les années 90 et ils en ont profité. La série a inspiré un jeu de plateau où les membres de la famille doivent progresser dans le manoir. Donc, vous commencez à voir la thématique, on est dans un manoir, souvent dans la famille Adams. C'est la grosse thématique du truc. C'est globalement un jeu de,
de loi ou un jeu de l'échelle où il faut progresser et de temps en temps tu peux revenir en arrière ou monter quoi. C'est un skin sur un jeu de loi, c'est pas forcément hyper intéressant. Un autre truc des années 90 qui perdure encore d'ailleurs, c'est les trading cards. Il y a une série d'une centaine de cartes qui a été inspirée du film, qui a été vendue dans, c'était vendu dans des paquets de 8 et puis tu pouvais les acheter et les échanger parce que t'avais toujours plein de doubles bien évidemment. Bah, bien sûr. Il y a eu un puzzle exceptionnel de 100 pièces. Je crois que c'est le moment de te dire, Luc, que j'ai vraiment galéré à trouver des trucs sur ouais. cette rubrique. Parce que t'as, quand t'arrives sur Puzzle, j'ai fait oh, « Ok, ça a été galère. » Ouais, c'est pas super excitant. On a eu le droit cependant à des céréales de la famille Adams. Ah, yes. Quand je dis c'est pas forcément... d'arriver aux tasses et aux napperons, la famille Adams. aux chaussettes, les rondes serviettes. Je pense pas que ça a été été produit et diffusé en France, ce genre de céréales, mais il y avait des céréales qui avaient la forme d'éléments tirés de la famille Adams, donc il y avait par exemple La Chose, bien entendu. Il y avait Marie-Antoinette, qui est la poupée décapitée de mercredi. Eh, La Chose où, en support pour smartphone, ça doit être pas mal ça. Ouais, La Chose en support. Arrête, ils t'écoutent, ils vont le développer. Arrête, avec, on va encore recevoir des messages de producteurs sans fil. Stop. Il y a quand même des figurines qui ont été produites, des Playmates qui étaient inspirées de la série animée. Mais il y a eu juste une série de 6 figurines qui est sortie, il devait y en avoir 9. D'ailleurs, elles étaient annoncées sur le packaging, les 3 autres. Mais ça n'était tellement pas un succès qu'ils n'ont pas produit les 3 autres. Donc il n'y a pas ni Mercredi, ni La Chose, ni Cousin Machin. Et alors qu'il y a la grand-mère, il y a Lurch qui est leur espèce de Frankenstein valet. Mais voilà, pas de succès, donc ça s'est fini comme ça. Pour finir, deux trucs très années 90, même s'il y en a un, j'ai vu à la télé, qui est revenu récemment, les POG. C'est une série de 17 POG tirée de la série animée qui est sortie. Et un truc ultra old school qu'on ne verrait plus aujourd'hui, un logiciel graphique, le Adams Family Print Gallery. En fait, c'est un logiciel. Donc tu l'achetais. Ça te permettait de faire des images, de générer des graphiques en intégrant des cliparts tirés de la série animée. Ah yes. Wow. Voilà. En 280 par 180. J'imagine que ça tenait, c'est des gifs qui tenaient sur une disquette 3/14, tu vois. Ou 3/14, je sais plus, mais c'est 3 1/4, les disquettes. Mais voilà, c'est, aujourd'hui, ça serait un lien de téléchargement avec, avec des skins, quoi. Mais, ouais. Des skins voilà. Fortnite. Et c'est à peu près tout ce que j'ai pu trouver en produits dérivés, puisqu'après, il y en a pas mal d'autres, mais tirés de la série des années 60, par exemple, qui a donné lieu à d'autres trading cards, à d'autres puzzles. Oh la vache! Et à d'autres produits dérivés, mais sinon, contrairement à ce que j'aurais pu imaginer, ça s'est pas autant imprégné dans le merchandising. Quoi. Ok, mais ils ont tenté, tu vois. Ouais, ils ont tenté, mais moi je m'attendais à pas mal de déguisements ou de figurines, de trucs comme ça. Voir un manoir reproduit en mode château de Barbie, mais c'est le manoir de la famille Adams. Mais non, on n'a pas le droit à ce genre de truc. Bah, Lego, Adams, à l'époque, Lego, ils ont commencé les licences avec Star Wars dans les années 2000, donc c'était encore trop tôt. Ouais, ok, d'accord, je comprends. En tout cas, merci de t'être cassé le cul, Manu, pour tout nous présenter tous ces produits dérivés de talent. Rendez-vous avec quelqu'un qui veut voir mon travail. De la merde. 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 Notre classement de RVLT, c'est Pulp Fiction, Alien, C'est taré près de chez vous, 2001, l'Odyssée de l'espace et Fight Club. Et bien sûr, les 5 derniers que nous avons dans notre classement sont Le Bonheur est dans le Pré, Daylight, Hulk, Star Wars 3 et La Passion du Christ. Donc, la famille Adams sur les 43 films donc, qui sont dans le classement et que vous pouvez retrouver sur retourvoiturefu.com. Va-t-il arriver? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Yuna, sur 10, tu mettrais combien la famille Adams? Est-ce que je peux avoir un peu les notes que j'avais mises, les films que j'avais mis en 6-7? En 6-7, Yuna. Alors, en 6-7, en 7, tu as mis Blade Runner. En 6, tu avais Star Wars 4. 7, d'accord. Encore Bienvenue à Zombieland. 7, Mars Attack. Et c'est tout. Choix difficile. Choix difficile. Je vais mettre 6,5. Je vais couper la boîte en deux. Ok, c'est bien. C'est un bon move. C'est un bon move. Donc au-dessus de Star Wars 4, à ce que j'ai compris. Oui, oui, elle le dit. Elle le dit. Et elle le confirme. Parce qu'effectivement, pour moi, c'est... Oui, c'est un film d'affect. Hein. Je pense qu'autant Paddington, j'aurais plus aimé en l'ayant vu petite. Mais à l'inverse, La Famille des Dames, j'aurais probablement moins aimé si je l'avais découvert hier comme...
comme certains d'entre vous. Après, moi, j'ai plus d'attachement aux valeurs de la famille Adams que j'avais découvert en premier. Du coup, c'est vrai que même petite, quand j'ai vu la famille Adams, le premier, j'ai l'impression que c'était un sous-valeur Adams. Ça reste une franchise auquel je suis attaché, mais... La valeur, en fait, on pourrait dire que la valeur de famille Adams, c'est vraiment le... Ils vont au bout de leur idée, en fait. Ils continuent le concept, en fait. Et c'est vrai que c'est plus réussi sur le sens. Ouais, ben, les scènes que j'ai aimées sur le camp de vacances, ben là, comme tu disais tout à l'heure, c'est une scène de 5 minutes. Et le reste, c'est des répétitions en fin de compte. Donc, c'est pas des répétitions de vannes, c'est vraiment un enchaînement de vannes. C'est un filon en fait qui s'épuise au long des deux heures. Quoi. Exactement. Ouais. Donc 6,5 sur 10. Ok, pour moi, c'est noté. Manu, de ton côté. C'est malin de faire ceux qu'on aimait en premier pour pas qu'ils surcompensent. si tu veux, je peux passer à Pezzo directement. Hein. Non, mais t'inquiète, je l'accepte. Parce que normalement, toute façon, si vous êtes bien dans les règles du jeu, techniquement, votre note sur 10, vous l'avez mis avant. Ouais. En fait, moi, j'hésite entre deux. Non, c'est vraiment un film que j'aime bien, que j'apprécie, pour lequel j'ai un bon souvenir, qui me fait encore rire, et voilà. Mais objectivement, après, c'est pas non plus un grand moment de cinéma. Hein. Du coup, j'hésite entre 6 et 6,5, je pense que je vais plutôt lui mettre 6. Okay. Parce que au risque qu'ils se prennent des deux par Pezzo ou vous après, je l'accepte. Hein, c'est la règle du jeu. C'est le jeu. C'est Bonne Guerre, on va dire. Mais je pense d'un point de vue objectif par rapport à mes notes jusqu'ici, ça doit être le moins bon film que j'ai noté. Non, c'était Rogue One dans tout ce qu'on a fait. Ah oui. Putain. C'est le premier. Tu sélectionnes tes films aussi. Mais je maintiens pour Rogue One. Mais je vais mettre 6 sur 10 pour Manu, pour la famille Adams. C'est noté. JB de ton côté, la famille Adams. Moi je vais mettre 5. Ok. Voilà, c'est à l'image du film, quoi. Enfin, de ce que j'ai trouvé du film, quoi. C'est moyen, donc. Oui, c'est vrai que t'avais pas grand chose à dire, donc en fait t'as fait la Suisse, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a. J'aurais 50% de trucs que j'aime bien et 50% de trucs qui m'emmerdent. Il a aimé une heure, il a pas aimé une heure. Voilà, à peu près. Le mec qui reste comme ça, rectiligne. Voilà, c'est ça. Ok. J'ai fait un tableau avec les pour et les contre. D'accord. C'est marrant de voir ça comme ça parce que moi, un film que j'aimerais, enfin que j'apprécierais à 50% et 50% qui m'emmerdent, je pense que je lui mettrais 3, tu vois. Je mettrais pas 5 Non, parce qu'il y a des trucs bien quand même, tu vois. Mais des trucs nuls. C'est plutôt que ça te laisse indifférent, en fait. Et puis des trucs bien. Et puis des trucs nuls, non. Mais je vois que ta balance est quand même plus équilibrée que Suspiria. Suspiria, tu avais décidé de faire vraiment 80-20, quoi. Ouais, parce que du coup, ça, c'était pas 50%. Il y avait plus de trucs que t'aimais pas sur Suspiria que ce que t'aimais. Exactement. D'accord, formidable. Allez, Pezzo, fais-nous la régale. Bah, j'avais pensé à une note, je pense que c'est là que je vais mettre, je pense mettre 4, mais je veux juste que tu me dises ce que j'avais mis en 4 pour que je puisse voir si je mets un peu plus quand même ou pas. 4, t'as mis High School Musical, et je trouve ça très très bas. C'est très peu pour moi, High School Musical. Camping, t'as mis 4 aussi, je trouve ça dégueulasse. Ouais. Et t'avais mis 4,5 à Star Wars 3. Ouais, bah c'est bien, 4, c'est bien. On reste à 4 ? On reste à 4 pour Pezzo. Ouais, on reste à 4. Voilà, pour ce que je dis, parce que je pense qu'il y a l'aspect un peu déception de je m'attendais à un plaisir que j'attendais en disant ah, c'est un film que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune et genre il y a eu le retour à la réalité, je pense, qui m'a un peu peut-être... Est-ce qu'il y a une partie de ton enfance qui est morte rendu vénère. Non, peut-être pas quand même, faut pas déconner, mais c'est aussi, ouais, c'est ça, et puis aussi pour le fait, oui, même si des blagues différentes, le comique de situation, le thème, c'est un peu le même, donc, et je trouve ça trop long, en fait. Ok, non, moi je te comprends. Vivien, de ton côté. Juste pour être sûr, tu peux juste me rappeler 2-3 notes que j'ai mis à 5, s'il te plaît. Pour l'instant, je suis parti pour faire une JB avec, globalement. 50-50 Ouais, voilà. Alors, 5, t'as mis. Alors, tu te fous de la gueule de Pezzo, mais t'as mis 5 à High School Musical. C'est une honte. Ouais, mais moi j'avais noté en premier, j'aurais dû lui mettre 6. T'as un point de plus que Pezzo quand même. Tron Legacy, t'as mis 5. Ouais, t'as mis 5,5 à Beetlejuice. Bah 5, nickel. Un Beetlejuice en moins bien. Ok, c'est net. Un Beetlejuice Wish. Beetlejuice. Wish. Beetlewish. Beetlewish. Silvercrest. Et moi, je vais mettre 4. Alors 4, pourquoi ? Un peu par rapport à ce que j'ai déjà dit, hein. Mais en fait, normalement, j'étais parti à 3.
Mais je me suis dit, autant mettre un point supplémentaire pour la magnifique effet tornade à la fin du film. Moi qui m'a régalé. J'étais conquis. Moi qui aime les effets visuels, j'étais vraiment abasourdi, quoi. C'était, j'ai dit, on peut pas mieux faire. La meilleure tornade. Même Twister ne pouvait rien faire. J'ai fait celle-là, tornade. Ouais. Ah non, mais c'est une incrustation. Regarde Tortue Ninja Next Mutation. S'il y a une tornade, je prends. Non, mais après, sans déconner, en qualité, on l'a dit, hein, les costumes, la production design, hein, les décors gothiques avec plein de détails dans tous les sens. Ça, c'est les 4 points, ça. Ouais, ça, ouais, c'est bien sûr. Bah, avec, et puis, non, mais Raoul Julia, qui était un acteur incroyable, on pouvait pas lui retirer qu'il avait toujours. Enfin, vraiment, il était investi dans le projet. Et c'est un acteur en or, lui. Dommage qu'il est parti si tôt, quoi. Après, ça marche très bien avec le duo Raoul Julia et Christopher Lloyd qui jouent les frères dans le film. Ça marche extrêmement bien. Entre le frère qui a oublié ce qu'il était, et en même temps, il joue le rôle de l'imposteur, mais en même temps, il se rend compte que finalement, c'était lui, le frère, qui était disparu. Et puis la relation qui avance, qui se désamorce, qui revient, c'était vraiment bien. On n'en a pas du tout parlé, hein, cette relation-là. Non, parce que, en fait, c'est intéressante aussi. Hein. C'était intéressant, mais en même temps, c'est 20 minutes du film, quoi. Enfin, à tout péter, quoi. Ouais. Voilà, il y a un réel problème au niveau du tempo comique, quoi. Les vannes qui s'enchaînent toutes aussi plates les unes que les autres. Je parle de la scène de la chaîne électrique. On va jouer, tu vois, elle dit à son frère, on va jouer à Dieu existe. Est-ce que Dieu existe? Du coup, elle met son frère dans une chaise électrique. Puis on va tester si Dieu existe. Voilà, mais c'est trop long, trop court. C'est soit trop long, soit trop court. Il y a vraiment un énorme problème de tempo. C'est vraiment exaspérant comme film. Dommage parce que il y avait du monde, il y avait du beau monde au balcon pour faire le film, mais franchement, c'est un film que je reverrai jamais, très clairement. Enfin, pareil. Je pense que je reverrai le 2 avec plaisir, par contre, parce qu'il va au bout de ses idées, mais le premier est vraiment trop sage, en fait, dans son amorce. C'est peut-être un peu mal fait aussi, dans ce que je disais, dans le tempo comique. Et 5,08. Oh putain, il est au-dessus de Predator. Il est juste au-dessus de Predator, effectivement. Oui, putain, ça casse les couilles. De 0,8 points. Oh, la défaite, quoi. J'imagine que si Luc avait mis 3,5 au lieu de 4. Mais j'hésitais à mettre 3 en plus. J'hésitais à mettre 3 et puis je me suis dit non, ça mérite pas 3 quand même. Dommage. Donc la famille Adams, j'ai l'honneur de vous dire qu'il arrive en 31e position, juste au-dessus de Predator et juste en dessous de Beetlejuice. Juste en dessous de Beetlejuice. C'est quand même pas mal. C'est donc un sous-Beetlejuice. Voilà, c'est ce qu'on disait, c'est un sous-Beetlejuice, ouais. Effectivement. Mais un sur-Predator. Les gens, je pourrais mettre ça comme titre d'épisode, les mecs, ils vont rien comprendre, ils vont dire, mais c'est quoi ce bordel, quoi. Ils vont briller. Déjà, à chaque fois que Predator perd une place, on a des mails d'insultes, donc voilà, on va encore se prendre une saucée, quoi. Saucée par tous les fans de McTiernan qui vont dire, ah, bah, c'est une honte, putain, c'est quoi ce podcast de merde de cinéphile à deux balles. Mais non, mais Piège de Cristal, il sera bien noté. Ah oui, bah, Piège de Cristal est dans le top 10, après Predator, voilà, il a ses stigmates aussi, hein. Il a pas le cul propre, hein. C'est pour ça qu'il est aussi bas aussi, hein. Je sais, mais je trouve qu'il a le cul un peu plus propre quand même que la famille Adams. Oui, non, mais à titre personnel. En tout cas, si vous voulez nous envoyer des films, n'hésitez pas à nous envoyer sur hervéturfu@gmail.com ou même sur les réseaux sociaux, nous partager un film pour qu'on puisse l'ajouter à la liste et peut-être tomber dessus un jour. Sachant que là, actuellement, j'ai regardé un petit peu pour être un peu, comment dire, à voir quel était le film le plus cité. Et pour l'instant, en fait, c'est E.T. qui est le plus cité. Je crois qu'il a une douzaine de fois, je crois. On tombe pas dessus, quoi. Et ouais, mais il y a 1650 films, je crois. Enfin, 1650 citations. Donc, en fait... Proposition. Donc, E.T. est dans le top 1. Dans le top 3, pardon. Mais effectivement, après, je crois qu'il est suivi par plusieurs films de Nolan, des trucs comme ça. Mais bon, après, c'est chiant parce que ce sera encore des réalisateurs qu'on aura déjà fait. À part Spielberg, je crois pas qu'on l'ait fait. Si, Jurassic Park, je suis con. Non. Mais ouais, enfin, on l'a fait en mode c'était le tout début du concept. Ouais, c'était le deuxième épisode où on copiait 2 heures de perdu, quoi. Donc c'était c'était juste après ça, quoi. Mais c'était fin de saison 1. Ouais. Mais c'était c'est un film aussi qu'on a noté un peu. C'était à Chantilly. On était à Chantilly, effectivement, le berceau de l'humanité pour le podcast. Mais effectivement, c'était un film aussi où on l'a peut-être un peu sous-noté, quoi. Je l'avouerai un peu quand même. Oui, c'est vrai aussi. Mais bon, on ne regrette rien. C'est marqué dans le classement, donc on peut plus rien changer. Hein. Sauf si on retourne dans le passé. Peut-être. Si un jour on a une vraie Twingo qui retourne dans le temps. Ouais. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc. Et sur ma joue,
Je me suis demandé ce que c'était. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Je vais te fumer. Le courrier des Durandos, donc c'est la rubrique où nos auditeurs parlent du film, disent ce qu'ils en pensent. Et bah bizarrement, effectivement, pour la famille Adams, j'ai eu la moitié de la planète qui m'a dit que c'était le meilleur film de tous les temps. J'ai Florian qui me dit que c'est le film qui m'a fait tomber amoureux de Christina Ricci quand j'étais gosse. Est-ce qu'il y en a qui étaient dans ce cas-là? C'est pédophile, ça. Alors, il était gosse. Mais effectivement, oui, mais ça reste. Mais ça reste, voilà. Est-ce qu'il est youtubeur? Faudra lui demander également. Arthur Froment nous dit sur Twitter la bonne idée que M6 a sauté sur l'occasion de diffuser la série en noir et blanc, ce qui peut perturber quand on a 7 ans. Mais le film arrive à insuffler une qualité constante, récurrente et une satire sur la différence et l'estime de soi. Et puis Richie tient convenablement son rôle avec un petit smiley amoureux. Effectivement, Arthur Froment, as-tu une chaîne YouTube également? C'est ce qu'on peut te poser comme question. Mais non, mais même aujourd'hui, ça va, elle est jolie. Non, mais maintenant quoi. Qu'elle a 40 ans et que voilà, c'est légal, oui, elle est jolie. Mais non, mais regardez sur Wikipédia, franchement, elle assume bien son âge, quoi. C'est, il y a pire, quoi. Non, mais c'est pas la question. Pézo, t'es à côté. C'est comme ceux qui kiffent Nathalie Portman dans Léon ou Chloé Moretz dans Kick-Ass. Là, c'est les gens un peu. On appelle ça des. Les gens un peu malsains. Tu vois, qui sont un petit peu dans le trouble de la loi, un petit peu. Ah, oh, quand j'étais petit, j'étais amoureux de Nathalie Portman. Ouais, parce que t'étais petit. Dans Léon. Ah, ils sont. Mais du coup, ouais, mais tout le monde petit, forcément, eu un crush, tu sais, avec une petite fille aussi, quoi. C'est normal, mais en étant adulte et de dire ça, c'est un peu limite, quoi. Enfin, bon, après, c'est du bon sens, comme dirait l'autre. L'ours Martin dit, quand des clichés de l'horreur arrivent à générer un monde paradoxalement merveilleux, une famille tellement fusionnelle dans sa douce folie, qu'on aimerait en faire partie, assurément un spectacle apte à réunir les générations. Je pense qu'en fait, ils se basent sur leur souvenir du film, et ils ont pas spécialement revu autant de louanges, tu vois, genre... qu'ils aiment, je comprends, mais... Je pense que c'est un peu le cas, ouais, effectivement, sur les problèmes des films où t'as adoré quand t'étais gamin. Ça a été le cas, nous, pour Retour vers le futur, hein, quand on a revu Star Wars 3. Moi, je l'avais adoré étant ado. Bah, maintenant, le voir maintenant, non, c'est un enfer, quoi. Ouais. Enfin, enfer. C'était un enfer, mec. C'est long. Un enfer. Mais si, je suis désolé. C'est l'enfer des jeux, des effets spéciaux ratés, c'est tout. Non, même l'histoire qui tient pas. Tu regardes la scène d'ouverture et la scène du combat d'Obi-Wan et Anakin et c'est bon, quoi. Ouais, mais voilà, mais c'est quand même 20 minutes sur 2h30 de film, quoi. C'est insupportable, quoi. Ouais, non, ce que je dis, c'est bon, ouais. Capitaine Cook nous dit, je me suis pris les Blu-ray depuis 2 mois, je les ai toujours pas revus, les 2 films. Voilà, est-ce qu'il y a une team aussi, j'achète des Blu-ray, je les regarde pas. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais de mémoire, une excellente comédie bien noire, très décalée, gothique, avec beaucoup de poésie et un casting en feu. Roll Julia, clapement des doigts, cœur. Et cette OST culte. Sur Instagram, en gros, le constat était, c'est un film génial, super cool, je suis méga fan. Par exemple, Ange Guy Moon, qui nous dit que c'est la meilleure chose au monde, cœur, je suis méga, méga fan. Un classique qui ne vieillit pas de la part de Joak, une Madeleine de Proust pour Yannickel, culte de la part de JMT. Alexandre Bourfreton nous dit qu'il faut le regarder en VF. Effectivement, je le regarde en VF, hein, la VF est pas mal. Parce que la VF des années 90, hein, c'est une direction artistique particulière, quoi. Beaucoup de gens, j'ai l'impression que, effectivement, beaucoup d'amour. Trop de love, pour moi. C'est un peu particulier, quoi. On va passer maintenant aux recommandations. Si tu viens en Alaska, tu connais les Olympiades qui m'en tiennent. J'en ai entendu parler. Tu dois être très fort dans la discipline mangeur de Mouktouk. Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreille perception. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Retour à Turfus, ce n'est pas que des recommandations dans le passé, c'est aussi des recommandations dans le présent. Et Vivien, qu'est-ce que tu nous recommandes aujourd'hui dans ce numéro? Alors, moi déjà, j'ai fait une recommandation en retard et tout le monde a déjà joué, mais c'est pas grave. Je vais vous recommander Hades. Ah ouais. Parce que je m'y suis plongé ces derniers jours et bordel que c'est agréable à jouer. C'est un plaisir sur tous les niveaux, visuellement, musicalement. En termes de gameplay, c'est une dinguerie à quel point le truc est aux petits oignons. C'est impressionnant. C'est même pas descriptible tellement c'est. Enfin, je sais même pas, j'arrive même pas à mettre des mots dessus. C'est juste vraiment
une dinguerie monumentale. Voilà. Donc, si vous aimez un tant soit peu les jeux vidéo, je vous invite à y jouer et je suis quasiment sûr que vous y trouverez votre compte. Comme, C'est quoi comme type de jeu? C'est un roguelike. Donc, c'est le genre de jeu qui, en gros, tu meurs, tu recommences, etc., etc. Mais là, c'est le genre de jeu qui m'ennuie rapidement, moi, normalement. En général, je fais 3-4 runs et puis c'est bon, j'ai fini. Mais là, là, vraiment, je le tryhard de ouf. J'arrive pas à m'arrêter, quoi. C'est impressionnant. C'est très facile. Enfin, c'est bien écrit au plus parce qu'il y a une petite histoire avec le mec qui essaie de s'enfuir des enfers, en fait. Et donc c'est assez bien foutu. T'aimes apprendre de chaque personnage en fait petit à petit, ligne par ligne. Et le thème musical, c'est du tour par tour ou c'est non, en c'est, du temps réel. C'est vraiment ultra. C'est très nerveux, c'est très skillé. C'est en vue isométrique, non? C'est ouais. En trois quarts, à moitié, ouais, ça. Ça c'est. Alors si je dis pas de conneries, le studio c'est Supergiant Games. Ouais. C'est ceux qui avaient fait aussi deux jeux formidables, Bastion et Transistor. Qui sont maintenant, qui datent de quasiment Bastion, je crois que ça fait 10 ans qu'il est sorti, et Transistor, ça va faire 7-8 ans. Mais c'est pareil, c'est le même type de jeu. Alors, c'est pas des roguelike, mais c'est plus des sortes de RPG pareil. Et direction artistique de ouf, musique de ouf. Donc, j'imagine qu'on retrouve ça sur Hades. Exactement. La direction artistique, c'est une dinguerie. C'est genre, c'est trop beau. Il y a un vrai truc qui se dégage de chaque niveau parce que, bah, en fait, t'es dans l'enfer. Donc, au début, tu commences au tartare, puis. Tu changes petit à petit, etc. Et il y a vraiment un truc qui, enfin, il y a un truc, quoi. Comment dire, dans le gameplay qui se renouvelle très, très souvent, très rapidement, avec, en débloquant de nouvelles armes ou en améliorant ton personnage. Franchement, j'ai l'impression d'avoir, de pas avoir fait la même chose, alors que concrètement, c'est ce que je fais, quoi. Donc c'est très 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 agréable à jouer. Hades, et c'est sur toutes les consoles, j'imagine, du marché actuellement, quoi. Je crois, ouais, je crois même que c'est sur Switch, donc voilà. Ok, donc un jeu à jouer. Pezzo, ton côté, qu'est-ce que tu nous recommandes? Une autre série Canal+. Il enchaîne. Ouais, c'est l'adaptation de Vernon Subutex de Virginie Despentes. J'ai pas lu les bouquins, qui même s'il paraît qu'ils sont plutôt bien, mais la série, moi perso, j'ai vraiment bien aimé. C'est l'histoire, pour ceux qui connaissent pas trop, d'un disquaire, du coup, incarné par Romain Duris. Son meilleur ami décède et en fait il se retrouve aussi accessoirement à la rue, et en fait c'est son un peu son histoire de comment il va vagabonder pour dans Paris pour essayer de se trouver un toit pour dormir. Donc il squatte chez les potes, etc. Et accessoirement, en fait, il a une sorte de petit héritage des cassettes, un peu testament de son pote qui décède au début de la série, et il essaie de visionner du coup ces cassettes, et voilà. Et c'est très très bien, j'ai adoré l'ambiance. C'est une ambiance très rock, donc voilà, ceux qui aiment la musique, ils vont se vraiment vraiment kiffer les clins d'œil, les références ou la BO. Et voilà, il y a des bons acteurs. Il y a, comme je disais, il y a Romain Duris, mais il y a aussi comment il s'appelle, Philippe Rebaud. Je sais pas si vous voyez c'est qui, un mec avec une gueule assez cool. Et voilà, donc moi j'ai bien aimé. Apparemment Virginie Despentes, elle a pas du tout kiffé cette adaptation. Elle s'est barrée du projet, donc ça devait pas correspondre à ce qu'elle à ce qu'elle attendait, quoi. À sa trilogie de bouquins, mais je m'en fous, moi j'ai kiffé la série. Voilà. Super. Rappelle-moi le nom de la série. Vernon Subutex. Super. JB. Eh bah, moi j'ai pas vraiment de recommandations ce mois-ci. Est-ce que t'as un truc qui t'a fait vibrer Est-ce que tu pourrais dire merci la vie, peut-être, non? J'ai un truc qui m'a fait rire. Ah. J'ai regardé Lupin, et en fait, genre, premier épisode, j'ai pas du tout accroché. Parce que j'aime pas du tout le jeu d'acteur, en fait, mais c'est un problème en général, en fait, les séries françaises, quoi, tu vois. Et en fait, j'ai réussi quand même à regarder quasiment jusqu'au dernier épisode. À votre avis, comment? Alors, 1.5 avec de la drogue en accéléré. Je t'en dormi devant. Non, putain, t'étais pas tout seul. En le mettant en anglais. Bravo. Ah non. Je l'ai noté en version anglaise sous-titrée français. Et franchement, j'ai grave plus kiffé. Oh non. N'importe quoi. Tout le monde se respect. Les acteurs de doublage, ils sont carrément plus crédibles. Aïe, 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 aïe,
franchement, après, ça s'est laissé regarder. C'était pas mal. Okay. C'était pas mal. C'était donc, pas mal. Donc, finalement, tu nous recommandes Lupin, plus, mais en version anglaise, quoi. En version anglaise sous-titrée français. Putain. Pour une fois qu'on conseille de ne pas regarder quelque chose en VO, c'est beau. C'est le prochain truc des hipsters, ça. Hein, je le dis tout de suite. Ouais, de regarder des trucs français en anglais. Ouais, ça va être ça. Laisse tomber, putain. Merci JB, en tout cas, de ta recommandation. Voilà, ça me fait plaisir. C'est recommandation et truc et astuce. Si jamais vous vous emmerdez devant un truc français, mettez-le en anglais. En général, c'est mieux. C'est en anglais, sous-titré français. Il y a une version anglaise de Camping ou pas? Ah, je sais pas. On va peut-être voir. Regarder. La version allemande. Manu, de ton côté? Ce serait Dickinson qui passe sur Apple TV Plus, qui est un pseudo biopic totalement détourné sur Emily Dickinson, et qui est complètement anachronique dans la façon de présenter les choses. C'est-à-dire que ça se passe vraiment à l'époque de Emily Dickinson, donc au 19e siècle. Mais Emily Dickinson est interprétée par Ellie Stanfield. Je sais pas si vous la connaissez beaucoup, mais qui a joué dans Pitch Perfect ou qui était l'héroïne de Bumblebee, par exemple. Et qui jouera bientôt chez Marvel, elle jouera la future Hawkeye d'ailleurs. Mais très bonne série qui est assez drôle et à la fois drôle et émouvante. Très cool. En fait, c'est une série pour parler d'adolescence et de conditions de la femme d'aujourd'hui, mais de façon détournée dans une époque du 19e siècle, quoi. Et du coup, dans les anachronismes, il y a des gros stuff de jeunes dans des manoirs avec des musiques modernes, mais en costume d'époque. Et du coup, en plus, les costumes et les décors sont assez magnifiques. Franchement, c'est une bonne série qui a fait 10 épisodes sur la première saison. Et au moment où vous entendrez ce podcast, je pense qu'on arrive aux 9 ou 10 de la deuxième. Donc, c'est pas très long à rattraper parce que c'est des épisodes qui font un peu moins d'une demi-heure. Mais voilà, une bonne prod et une bonne série de ces deux dernières années. Vas-y, et c'est quoi le nom de la série déjà ? Dickinson, ok, ça marche. Et Yuna, de ton côté ? Alors moi, j'ai un peu plus de difficulté à trouver des recommandations, parce qu'en ce moment, en fait, je regarde plutôt des vieux films, enfin, découvertes ou redécouvertes, donc bon, Jurassic Park, La Mouche, je ne vais pas forcément les mettre en reco, un peu trop classique. Ouais, tu m'étonnes. Cependant, j'en ai deux. Donc, il y a 10 Cloverfield Lane de Dan Trachtenberg, avec un John Goodman encore génial, hein, encore en forme. Pour résumer brièvement, donc c'est une jeune femme en fait qui se retrouve victime d'un accident de voiture. Donc il y a une autre voiture qui lui rentre dedans. Elle se réveille dans la cave de John Goodman, de son personnage, qui lui explique qu'en vrai, c'est pas un kidnapping, c'est qu'il l'a sauvée d'une catastrophe nucléaire qui était sur le point de se produire. Et qu'en fait, tout le ressort scénaristique, il est là, c'est qu'en fait, le mec, c'est clairement un gros psychopathe. Tu sais pas trop s'il va la tuer, pas la tuer. Officiellement, elle est libre de partir, mais en fait, non. Et tout le truc, toute la tension, c'est est-ce que c'est vrai son délire de nucléaire avec des extraterrestres qui débarquent par les Chinois ou on ne sait pas trop qui, ou pas. Et elle est pas toute seule, elle est avec un autre personnage, interprété par John Gallagher Jr., qui est déjà prisonnier au sein de ce bunker. Non, il est cool, et c'est Marie-Elisabeth Winstead, je crois, l'actrice. Ouais. Je crois, ouais. Ok, donc 10 Cloverfield Lane. Il est sorti il y a pas très longtemps, il y a 3-4 ans. Il est sorti en 2016. 2016, ouais. Ouais, 2016, ouais. Et Yuna, le deuxième film ? Et j'avais une contre-reco pour le coup. Donc, yes. Film de Rob Zombie, donc ceux qui connaissent sa trilogie, donc il a fait House of Thousand Corpses, ouais. Devil's Reject, et donc le troisième qui est sorti en 2019, Free from Hell. Qui est effroyable, il est chiant. J'ai voulu le voir pour dire que j'ai vu la trilogie, mais en vrai, le postulat de base, il était déjà assez décevant quand on connaît la fin du deuxième, qui n'appelait pas du tout à avoir une suite. C'est une version moins bien, en fait, de Devil's Reject. Et au Mexique. Et au Mexique, avec des catcheurs. Ouais. Bon, c'est voilà, c'est non, c'est et puis Rob Zombie, ouais, c'est son ce film-là, il a pas été ouf là-dessus, quoi. Et quand on sait ce qu'il est capable de faire, Rob Zombie, voilà, son résultat est encore plus décevant. Ouais, c'est clair. Non, je comprends. Donc voilà pour les rocos. Je remercie Pezzo, Vivien, Yuna,
Manu et Jean-Baptiste, encore une fois, la technique, notre incroyable c'est homme à tout le faire. Manu, de ton côté, le coin pop, qu'est-ce que ça donne actuellement? Bah, en ce moment, je tourne un petit peu en automatique sur mes différents spin-offs. Donc, il y a YMCU toutes les semaines, on parle de WandaVision en ce moment, donc jusqu'au 5 mars. Et après, deux semaines après, on enchaînera avec Falcon and Winter Soldier, même si je pense pas que ce sera un format hebdo, parce que, à mon avis, ça sera une série un peu plus... qui appellera un peu moins au theory crafting ou à ce genre de choses, et ça risque d'être un peu plus d'action et un peu moins subtil. Et puis en parallèle, bah, régulièrement, je sors des Tales from the Sewer sur les Tortues Ninja. Donc j'ai placé déjà le nom de The Next Mutation, qui est une série télé qui sera notre prochain numéro, donc qui est sorti, si je me projette dans le futur pour vous, ça sera sorti il y a 3 semaines à moi. Et Site Alpha, qui est un nouveau spin-off sur Stargate, qui commence cette semaine d'enregistrement. Donc voilà, qui sera peut-être, qui aura peut-être son numéro 2 d'ici que ce podcast sort, je sais pas, mais, ou alors ça sortira très bientôt pour parler de la saison 1. Ça marche. Et voilà. Super, bah merci encore de ta participation Manu, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci pour l'invitation. Et pour le début de la fin de notre podcast sur les séries télé, donc on a sorti Cowboy Bebop au mois de janvier, et là normalement au moment où le podcast va être diffusé, l'épisode sur The Shield, cet épisode va sortir normalement mercredi. Hein, vous écouterez un épisode où 3 ou 4 personnes ne connaîtront pas du tout The Shield et ne verront que le premier et le dernier épisode, ce qui va leur niquer une série phare des années 2000, mais c'est pas grave, c'est le jeu, ils avaient qu'à la regarder, voilà, c'est de leur faute. Donc retrouvez-nous dans 2 semaines, soit pour parler d'une époque, soit pour un film, ça dépendra du tirage au sort. HervéTurfur@gmail.com pour proposer vos films, hein. Si vous avez un film à nous proposer, n'hésitez pas aussi à le proposer sur Twitter, sur Facebook, Instagram et sur notre serveur Discord que vous pouvez accéder directement sur notre site internet. RetourHervéTurfur.com pour aussi retrouver tous les épisodes de RVLT et du début de la fin. Comme d'habitude, 5 étoiles sur Apple Podcast, iTunes ou Podcast Addict, et partagez un maximum si cela vous a plu. Bisous, on se dit bisous et écoutez-vous, bordel de merde. Ciao. Allez, ciao. Bisous. Salut. Salut. Tirage au sort. J'aime bien quand tu dis ça, JB, c'est à chaque fois pareil. Là, je vois qu'il y a du 2012 aussi, putain, 2012 de Roland Emmerich. Oh là là. Putain, sans un Dalmatien. Je crois que je l'ai jamais vu 2012. Ouais, c'est battu. Tu rates rien, j'ai envie de te dire. Je vois qu'il y a du Your Name pour faire plaisir à Vivien. 1608. Donc il y a 1608 films. 108 propositions. C'est ce suspense que va-t-on se manger. Le mois prochain. Alors, ce numéro, c'est 968. Donc, c'est plutôt milieu de classement, quoi. Dans l'épée. T'as dit l'épée, toi? Alors, attends, on va voir. Non, c'est pas dans l'épée. Oh, ça va faire plaisir à certains. Ça va faire plaisir à certains. C'est un film d'animation. Nemo. Non. 2004. Film d'animation 2004. Les Indestructibles. Oh oui, ah, mortel. Oh, le feu. Yes. Les Indestructibles. Le alors, premier c'est aussi une... Ouais, le premier, ouais. Petit. Ouais, 2004. Sorti le novembre 2004. Alors, c'est une période qu'on a aussi faite, hein. 2004, c'est une période qu'on a faite 3-4 fois, je crois. Ouais, c'est une période, c'est le même année que La Passion du Christ et je crois que d'autres films qu'on avait fait. Donc, on va tirer aussi un deuxième film, pour le coup. Donc, Les Indestructibles. Les Indestructibles, ça a été proposé par Vivien, et c'est le seul. C'est vrai? Ouais. Super cool, Vivien. Super cool. La bon victoire move. De Vivien. La victoire de Vivien. Regardez cet homme fier. Le Caragon et la boucle est bouclée. C'est un des meilleurs films de super-héros, Les Indestructibles. Ah, ça fait longtemps que je l'ai vu. Donc, je peux pas me prononcer. Donc, il est dispo sur Disney+, hein, donc vous pouvez y aller sans souci. Ah, putain, il va falloir que je garde mon Disney+. Moi, je l'ai gardé, hein, perso. Enfin, c'est pas moi qui paye, donc. Tu l'as pas gardé, c'est pour la vision. Ça, le mec. Manu va te taper. C'est au cas où on tombe sur Les Indestructibles. Je suis en train de finir The Mandalorian, finalement je me suis pris au jeu et très bonne soirée. Ah, je comptais l'arrêter après WandaVision en fait. Ouais, je vais faire ça après peut-être aussi. Je voulais faire Lupin aussi, mais je vais faire Lupin en anglais. Voilà. Bah, franchement. Je vais proposer ça à Christelle, tu vas voir, ma copine elle va péter un plomb, elle va dire mais c'est quoi ce bordel? Bah si, c'est possible. Du coup on tire un deuxième film ou pas? Ouais, on tire un deuxième film, donc Les Indestructibles et 1024 cette fois-ci pour le numéro.
C'est plus loin. Ouais, c'est un tout petit plus loin. C'est un petit peu. Ouais, c'est dans les L. C'est encore dans les L. Oh putain. Ouf. On a évité la catastrophe. Dans les L. Quelque chose. On a évité quoi? On a évité quoi? On a évité la catastrophe. On a évité LOL. Oh la vache. Oh putain. Looper. Non. La Ligue des Justiciers. Non. C'est un film, et là c'est un vieux film, donc ça va être, ça va pouvoir nous varier un petit peu. C'est un film de 71. Lolita. Non. C'est Little Big Man de Arthur Penn, c'est avec Dustin Hoffman dans ses premiers rôles. Donc là, j'ai jamais vu. Donc là, ça va être un film plutôt classique. Enfin, je l'ai jamais vu non plus. Hein. Enfin, je crois pas que je l'ai vu. Je crois que c'est un western, mais je m'en souviens plus. Mais ça va faire un classique, c'est bien. Ça va faire un film d'animation, un film classique. On reste pas mal. C'est plutôt propre. Donc Little Big Man, et c'était proposé par Arthur Froment et David. Dommage qu'il ne soit pas là pour le faire avec nous. Et non. Voilà, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Little Big Man, du coup, et Les Indestructibles. Ouais, on a pas fait 71 en fait. C'est dommage. Ouais, mais bon, enfin, on est tombé sur Les Indestructibles avant, quoi. Donc 71. De toute façon, il y a encore d'autres films. Je crois que j'en ai vu d'autres. Mais on a pratiquement des films dans toutes les époques. Hein. On a quand même super bien varié. Hein. On a le parrain. Si je parlais des films, mais on a le parrain qui est de super cité aussi. Le parrain. Là, ça serait bien qu'on l'ait quand même en T4. Regarde, les Goonies. Putain, les Goonies aussi. Il est super cité. Ouais, ça me fait chier de le mater parce que je suis pas très fan non plus. Les Sentiers de la Gloire aussi de Stanley Kubrick. Il est cité comme pas possible. LOL a été cité 3 fois. Hein. Putain, mais les fumiers. Lucie a été le cité 4 fois. Oh, bah d'accord. Mad Max Fury Road 5 fois. Maman, j'ai raté l'avion 4. Memento, je disais Memento. Oh, je l'ai rematé, tiens, d'ailleurs. Et il est bien maintenant ou... Maman, j'ai raté l'avion. Ça va. Ouais. Franchement, il a moins vieilli que d'autres trucs de cette époque. Donc.